Le bidonzer de la presse. Je vous ai dit, la main noire n'existe pas. Si Fally bénéficie de tout le respect de la part de la France, c'est à cause ou grâce à sa notoriété, grâce à son travail. Je vous ai dit, pour Paris Arena La Défense, le gars a vendu le billet à un prix catégoriel. Et si vous faites la moyenne de 82, parce qu'il a vendu le billet de 57 euros à 100 et quelques euros, et donc si vous faites la moyenne de 82 euros multiplié par 42 000 personnes participant à ces spectacles-là, vous avez 3 millions et quelques mille dollars. Et donc, pour ces spectacles de 2 heures, le producteur de Fally a tiré le revenu, lui-même a gagné, mais aussi l'État français a gagné. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui gonfle le trésor public français, je ne pense pas que la France peut lui réviser le visa. Donc c'est tout à fait normal que la France respecte autant cet artiste, parce que Fally fait entrer de l'argent en France. Et nous, nous voulons que Fally fasse autant chez nous, au Congo. Voilà pourquoi nous devons mener des grands plaidoyers dans ces secteurs de la culture, dans ces secteurs de la musique, pour que les autorités congolaises tiennent vraiment en compte un secteur aussi important, parce que la musique, c'est aussi un créateur de l'emploi, un moteur de la croissance économique. La musique, c'est aussi un instrument de paix, de cohésion nationale et de solidarité nationale. Ne perdez pas de vue, lorsque nous avions eu des problèmes dans ce pays, nous avions chanté Dieu et Amouzé au nom de l'unité, fraternité, concorde et solidarité nationale. Lorsque nous avions voulu promouvoir notre monnaie nationale, nous avons chanté franc-congolais. Et donc la musique, c'est un grand carrefour. Il fallait pour pas King. On a des preuves. Allez, excusez-moi, le bidonzer de la presse. Merci. Je vous ai dit, la main noire n'existe pas. Si Fally bénéficie de tout le respect de la part de la France, c'est à cause ou grâce à sa notoriété, grâce à son travail. Je vous ai dit, pour Paris Arena La Défense, le gars a vendu le billet à un prix catégoriel. Et si vous faites la moyenne de 82, parce qu'il a vendu le billet de 57 euros à 100 et quelques euros, et donc si vous faites la moyenne de 82 euros multiplié par 42 000 personnes participantes à ces spectacles-là, vous avez 3 millions et quelques mille dollars. Et donc, pour ces spectacles de 2 heures, le producteur de Fally a tiré le revenu, lui-même a gagné, mais aussi l'État français a gagné. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui gonfle le trésor public français, je ne pense pas que la France peut lui réviser le visa. Donc c'est tout à fait normal que la France respecte autant cet artiste, parce que Fally fait entrer de l'argent en France. Et nous, nous voulons que Fally fasse autant chez nous, au Congo. Voilà pourquoi nous devons mener des grands plaidoyers
dans ces secteurs de la culture, dans ces secteurs de la musique, pour que les autorités congolaises tiennent vraiment en compte un secteur aussi important, parce que la musique, c'est aussi un créateur de l'emploi, un moteur de la croissance économique. La musique, c'est aussi un instrument de paix, de cohésion nationale et de solidarité. Problème des peaux, problème de digestion et vous avez du mal à dormir. Bienvenue chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, l'architecte par excellence de votre bien-être. Je me présente Binda Francine, la fondatrice de la marque Grâce Beauté et votre architecte par excellence. Chez Grâce Beauté, notre vision, c'est de vous aider à vous réconcilier avec vous-même. On vous propose des soins personnalisés, oui, puisque vous êtes unique, votre bien-être aussi. On travaille sur trois énergies. Vous avez les skincare pour la peau, vous avez le côté holistique pour l'intérieur, pour refléter la beauté de l'extérieur. Oui, la beauté se conjugue avec notre bien-être de l'intérieur. Voilà, vous avez aussi l'Institut Grâce Beauté Mobile qui se déplace à votre domicile pour vous procurer des soins sur mesure tels que les soins de visage, les soins anti-vergeture et votre bien-être est à notre service. On vous dit à très bientôt chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, l'architecte par excellence de votre bien-être. Restaurant Paradis Secret, restaurant aux spécialités africaines, en pleine région parisienne, chez Chiquito Papa Paradis, au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie, 77 380 à Comble-la-Ville. Mais si c'est la compétence, on vous laisse aux médias. Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillades, du poisson, ntaba, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yambo Cannabiso, chez Chiquito, au restaurant Paradis Secret, le secret du paradis. Avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc., etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité, venez chez Chiquito. Anniversaire, baptême, surprise partie et autres occasions festives. Rendez-vous chez Chiquito, au secret du paradis ou paradis secret. Votre réservation au 09 50 01 85 90 ou au 06 52 81 93 93. Restaurant Paradis Secret chez Chiquito Papa Paradis. C'est vraiment paradisiaque. Maman Rit, vous sentez le tabac? Chez Maman Hélène qui soigne. Pas tout à la Hélène. On a Savini. Oh, wap. Oh, qui pose au lien. Du tabac fraîche boué, on roule, démarrer voiture, balamoro. Et pas maman Hélène qui swim. Olia est assurée, t'as pris mon pied, Olia qui toque. T'as la banane dans Olia, t'as beau, ça tient. Bah, on tombe en même temps, aux Olia, propriété, maramoutou qui toque. Maman Hélène qui swim, a suivi quand maman Boban tabac boué était au terme. À peine à service traiteur. On a fête, on a cérémonie, mon peu importe, baptême, nuance. Aza service traiteur moko. Mota la ranga moko non le bon pour moni de quoi me dis kito. Amen. Ko. Amen. Moni. C'est quoi nous la nini? C'est quoi la ranga? C'est son mec qui toko. La kokito? En plus il y a aussi yo kangi au bata melin, bata savini, quoi zo rapa na yo. Na tu vas ngi ba contacter ngai. Na 07 53 82 87 72 chez maman Hélène Kiswemi, Nazana Damari Lelisse, 456 avenue du colonel Fabien. Référence Nabiche Zali, Renault Mosquée. Nazan, okay. Tout près à gare, 12 minutes dans ma colonne. D'accord. Gare à Mélin. Tu as un restaurant, ma belle, restaurant. Na sara barquette na livrera na ba restaurant na livrera na ba mama oyo batekaka na ba wenze na livrera na ba ndako donc à partir ya 70 euros na ba ndako na ko livrer voilà la commune se doit lire en tout cas oya chez maman elle qui suit mon mari vous avez décidé ma maman ya valeur ma maman kilo na essaye bino wana cuisine ya propre il faut que ba nzou te ezala ya propre ya qualité. Bonjour à propre et à qualité, à ma casse et à bien.
et ça va dans l'adresse Moko. Vous contactez la maison Zoé. Précis de l'époque, on a été mis au numéro à la maison Zoé et Zana. La maison Zoé Anna, Banzou Mouya Kitoko, Nabatika Mouya Kitoko, Yamakas, Azapé Nabassan en porcelaine. Bonne qualité en tout cas. Je ne sais pas si la cuisine n'a pas eu. Je dis, l'eau au lion sort. Elle a pris mon goût. Donc, il a invité pour pas me battre. On a pas trop envie de la chair, mais avec la maison, Zoé a été bien. Maman, on va aller dans la colonne, on va aller dans la colonne, on va bien. Pour moi, si moi, c'est ma cousine. Donc, vous contactez maison Zoé. La maison Zoé, en tout cas, n'a invité rien à dire. Côté Banzoum, à Kanima Solo, on a partout. Et tout ça, on a fait livraison. On a en Belgique, en Suisse, partout en France. Comment on a la qualité pour vous? Il y a l'eau, la couleur est belle. Il y a bleu, rouge, il y a noir. Il y a 4 zoom. Il y a 3 calottes. Donc, contactez la maison Zoé. Tout le monde qui a besoin de casseroles en très très bonne qualité, contactez la maison Zoé. Après, ma maman qui l'a, ma maman va venir au lingue là, papa va l'ambar, va une boîte de tofu, va tout le faire avec tofu. Déjà, Ritz qui l'a passé qui commande, mais déjà, Ritz qui l'a l'ambar, la maman qui l'a. En tout cas, après cette commande, il y a une boîte hésiter de contacter la maison Zoé. Numéro 1, vous avez une carrière de téléphone rapide, opérationnel. Quand vous avez une boîte, la maison Zoé. Il y a l'artiste là. Merci à vous. Merci. Voilà. Je vais voter ma vie, pas du tout. Voilà. Bonjour, papa Eddy. Excuse-moi, mon ami. Bonjour, papa Eddy. L'impression par rapport à arriver à Ok. Merci beaucoup, papa Eddy. Laissez l'artiste avancer, s'il vous plaît, laissez l'artiste. Ah, qui est dans la maman, oh, il est là.
avec l'équipe de Voilà, on est tellement brillé, mais il n'y a pas de choix pour s'en faire tout ça. Est-ce qu'on a un bon?
Chez Djonga, restaurant spécialités africaines à la portée de tous. Un cadre attrayant vous accueille 7 jours sur 7. Au numéro 2, rue François Villon, 94 230, à Cachan, en pleine région parisienne. RRB, station Arcueil-Cachan, pour déguster des mets délicieux. Choix à la carte, Ntaba, Cabri, Brochette, Kamundele, Ngoulou, Madesu, Losonapundu, du poisson, du poulet mayo, Makayabu, Bitekuteku et j'en passe. Rendez-vous chez Djonga. Dans une ambiance musicale, modèle Yambo Kanabiso. Chez Djonga, venez, venez, vous allez vivre du vrai. Chez Djonga, votre restaurant vous propose de vendre des plats divers à consommer sur place ou à emporter. Oyo Sukanama Solo. Commandez au 09 82 63 82 85, numéro fixe. Ou au 06 35 47 51 81, numéro WhatsApp. Votre restaurant chez John. Mais c'est quoi qui s'en a? Chef, ma mère m'a passé l'aime qui s'est passé, qui m'a dit de me battre sur la piste. La scène qui soit timide, la scène qui soit timide, la scène qui soit timide, la scène qui chef, banina la banni, mais moi si la télé va être inanime. Chef, ici là. On m'a dit beaucoup, Faka. Oyo, 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 bilo que ce pour ma vie, on dit là, oh, le coup, la caisse est d'accord. Papa, on y a évité qu'un laboratoire, mais un missile, et c'est la mission solution, ou d'un cas là. Solution. Ignorant, c'est un lanceur. On m'a dit, oyo, signaliste sipo, suppositoire, oyo. Signaliste comprimé, on a pas hémorroïde. Voilà. On m'a dit désostimile, oyo. Et ça pour la faiblesse sexuelle. Et pour la fragilité pour la basse. Et quoi aider ma casse. Mais borax, ce qui est traitement, n'y a tout. Il y a hémorroïde. Mais si quoi, on ne peut pas couler en haut, on a un autre abus sur ma papa. Ce qui est pour l'ingui, on mesure. Ma centimètre non avant de pas là. Pour me colloquer ça, on commence les sous, on commence les box, toujours champion. On comprend. Par question de la question, on consomme si comme on soutient le Congo, caca dans le laboratoire, mais à missile. Et puis, et salami n'a pas zété à Congo. Banzete caca à Congo. Banzete mon soutien. Il y a Congo ndé. Maman n'a pas aussi. Il n'y a pas trop aussi. Et puis, dans le master, na niveau de l'université Marie-Angouabi, et au niveau du Canada, na transformation des agro-ressources et puis préparation de la cosmétique thérapeutique naturelle. Dans le laboratoire CRMTA, ou dans le laboratoire MMC,
spécialisé dans la production il y a ma phytomédicaments, c'est-à-dire bah qui c'est à partir il y a ma nzete na biso il y a Congo bah qui c'est nyonso bozomo na ara na CRMTA et subir bah essai toxicologique et puis bah essai clinique oyo ezo ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi bah étude. Et puis, bah, qui sont les gens dans la CRMTA, ils allaient homologuer le ministère de la Santé, c'est-à-dire qu'ils ont l'autorisation d'ouverture, ils ont l'autorisation de mise sur le marché au niveau de Mboka et puis les bandes de Mboka. Bah, qui sont les gens qui produisent la CRMTA et puis qu'on peut demander à n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence pour les autres dans la mort de Bisso, dans le tradit thérapeute ou le naturothérapeute. Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3, à Zongeli, base na ye, na Paris, Oyo, Yesika bozalaki ko lia, ko melape ko yokan doule na niveau ya deux fois te boye bake, bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3, awa, chaque week-end, bilenge zongi ya ndoule, à partir ya, le 17 février 2023, ouverture officielle, ya Bandoule Bokozwa, chaque vendredi, Suzuki Luzubu, 4x4 grands chanteurs de mon pays, à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator, nabaninga tout awa, bokosepe la jolie ki toko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche, sombele sou kabisanga, bokozwa Nokolias, Emel alias de Mingongo, la voix qui cloche, et longo na wenge, poussana to vanda, en matinée live, oyo eko banda, à partir de 18h, tina minuit. Kasi, tout na ngay nini, kaka ceux qui aimaient la silesi, mbala moko night club, to boîte et fungwami, à partir il y a minuit. Tiba 5h avec DJ Bobo. Oyo, a kosepele sabino na bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui, frère. Babi Tchonga. Futur. Hein? Moto rosa la 50 boîtes. Na kata king, c'est Tchonga maske. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, Chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zalimo Boko. Ben voilà, on continue toujours. Merci à l'internement, au monde entier, mon bimba, la chaîne différente, au Balanda Bisso. Merci à sponsor officiel, le seul et l'unique, le véritable code, le vrai code. Ya Willy Moucheni, Bambo Tebele Nayo, Dilon Mampouya. Donc depuis Bruxelles, Bambo Tebele Nayo, Neli Monduka, soirée le Kai Kitoko, Alobia au Rebandelango. Là je suis avec Maître Manix, au déjà en Pétaillé. Bonjour et puis soyez le bienvenu. Hein. Bonjour et grand merci. Ouais. Merci pour la hospitalité, merci pour la gentillesse, merci pour l'accueil chaleureux à ma frère, à ma soeur, à la bisso congolais, autant pour les Africains. Ben, on se sent très à l'aise, on se sent en famille. Ben voilà, on est tous des Congolais, donc talaka bande ou la soubaye. Il faut toujours et puis presque nous faire la bisso yango. Et puis, premièrement, bah, le temps, on me souffle. Ah, Coco, il a nous fallu foutre. Yo. Les mauvais gens aussi, bah, le bama fing. Toi, ma critique n'a eu et foutu. En tout cas, je ne suis pas dans le deux cas. Ouais, ouais. Parce que je n'ai jamais insulté quelqu'un. Okay. Bien au contraire, j'ai toujours dit la vérité. Et je ne suis pas contre un artiste. Parce que bah, musicien congolais, bangonion, c'est pas ça la fierté. Il y a culture musicale, il y a Mboka na Bisso. Autant que je suis venu pour assister au spectacle de Fally Ipupa, je le ferai autant pour Koffi Olomidé, pour JB, pour tous les autres. Donc aujourd'hui, je vais dire Toza Awa Penza pour que to assister artiste na Bisso, totala comment Azako évoluer Awa sur le sol musical français. Ouais. Mais en même temps, ça sera aussi une opportunité pour faire le jumelage, le brassage des cultures entre la culture musicale congolaise et la culture musicale française. Comment fonctionne l'industrie musicale française? Awa bazan a ba infrastructure nini en termes de salles de spectacle, des studios d'enregistrement, des maisons d'édition et tout le reste. Et même le niveau de l'investissement dans ce secteur de la musique, parce que chez nous, au Congo, je crois que les opérateurs économiques n'investissent pas autant d'argent dans ces secteurs aussi importants et générateurs des revenus.
Vous avez vu les spectacles de Fally Ipupa à Paris Arena à la Défense, mmh, avec un prix très catégoriel. Et si nous faisons la moyenne de 82 $ par rapport au nombre de participants à ces concerts, vous aurez le chiffre de 3 millions et, 5 et quelques mille dollars. Et donc, Logar a généré beaucoup d'argent au profit de son producteur, de lui-même, mais aussi au profit de l'État français. Mmh. Surtout que l'État français prélève des taxes sur chaque billet vendu dans un spectacle sur le sol musical français. Et donc ici, notre passage, c'est dans le cadre d'un voyage culturel avec un thème précis, la musique et l'économie. C'est ça ce que tu as publié. Exactement. Ah, donc oui. Moi, mon voyage, c'est vraiment culturel. Et je vais développer aussi des investigations. Des investigations, des rapprochements, des contacts avec des officiels culturels français, mmh, et pourquoi pas. Et question de savoir comment les politiques français élaborent de politiques publiques dans le secteur de la culture et plus particulièrement dans le secteur de la musique. Et donc, je suis ici pour la culture de manière générale parce qu'il n'y a pas que la musique. Il y a la sculpture, il y a la dramaturgie, il y a le cinéma, il y a la peinture. Il y a bien de choses que le Congolais peuvent développer en termes de vitrines culturelles pour vendre nos valeurs culturelles dans le concert de nations. Et là, je suis là pour assister Fally Ipupa, assister à son concert et faire d'autres investigations, peut-être d'autres contacts aussi avec les officiels français. Entendez-vous quoi par rapport aux questions les netilélo par ndebanindé ko voyager boy yo ozogi vous êtes tout oya qui te ngo saloni par rapport au temps fou il y a travail au abattre na ou va doit bien au travail pour na groupe invitif. On a travaillé pour les Congolais. Tu attendais aussi des sacs. On a travaillé pour les Congolais. Non, il faut que nous ait victime comme une organisation, comme une société. Okay. Et puis chaque société, quand elle organise des activités, il y a toujours une brèche ouverte pour les invités. Même quand la GECAMINE veut explorer, je vais dire, une des ressources minérales de notre pays, la GECAMINE peut toujours inviter les gens pour participer à cet exercice. Et aujourd'hui, Fally veut qu'il y ait des invités pour voir comment il est en train de porter haut le tricolore national de notre pays, le drapeau du Congo. Et c'est un grand plaisir d'assister notre artiste dans ses différents spectacles, parce que Fally n'est pas que Congolais, Fally n'est pas qu'Africain, Fally c'est un artiste international, un artiste mondial. Et donc moi c'est un grand plaisir qu'il soit Congolais, et c'est un devoir d'assister et d'apporter mon soutien indéfectible à un compatriote congolais. Attendez-vous aussi de soldats dans cette concert? Déjà pour quelqu'un qui a fait Paris Arena à la Défense, il n'y aura pas de surprise. Il n'y aura pas de surprise. L'impossible n'est pas Fally Ipupa, je le pense. Et donc, le plus grand défi, peut-être, c'est ce que les gens ne réalisent pas. Fally essaye d'imposer sa notoriété artistique au-delà de Paris. Alors là, c'est le Lyon, là, c'est le Bordeaux. Et donc, ça prouve la force de l'artiste, la force de la culture musicale congolaise. Et on ne peut que l'accompagner partout. Si aujourd'hui, les gens disent que Fally Ipupa ne laisse pas d'autres artistes qui puissent évoluer, donc il est là peut-être pour mettre de main noire, la polémique et la fatigue, ça rend encore beaucoup plus fatigant. Et moi, je ne suis pas venu ici pour de polémiques inutiles. Je vous ai dit, la main noire n'existe pas. Si Fally bénéficie de tout le respect de la part de la France, c'est à cause ou grâce à sa notoriété, grâce à son travail. Je vous ai dit, pour Paris Arena à la Défense, le gars a vendu le billet à un prix catégoriel. Et si vous faites la moyenne de 82, parce qu'il a vendu le billet de 57 € à 100 et quelques euros, et donc si vous faites la moyenne de 82 € multiplié par 42 000 personnes participantes à ces spectacles-là, vous avez 3 millions et quelques mille dollars. Et donc, pour ces spectacles de 2 heures, le producteur de Fally a tiré le revenu, lui-même a gagné, mais aussi l'État français a gagné. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui gonfle le trésor public français, je ne pense pas que la France peut lui réviser le visa. Donc c'est tout à fait normal que la France respecte autant cet artiste, parce que Fally fait entrer de l'argent en France. Et nous voulons que Fally fasse autant chez nous au Congo. Voilà pourquoi nous devons mener des grands plaidoyers dans ces secteurs de la culture, dans ces secteurs de la musique, pour que les autorités congolaises tiennent vraiment en compte un secteur aussi important, parce que la musique, c'est aussi un créateur de l'emploi, un moteur de la croissance économique. La musique, c'est aussi
un instrument de paix, de cohésion nationale et de solidarité nationale. Ne perdez pas de vue, lorsque nous avions eu des problèmes dans ce pays, nous avions chanté Dieu et Amouzé au nom de l'unité, fraternité, concorde et solidarité nationale. Lorsque nous avions voulu promouvoir notre monnaie nationale, nous avons chanté franc-congolais. Et donc la musique, c'est un grand carrefour pour le développement socio-économique de notre pays. Et donc il faut que les autorités congolaises considèrent autant ces secteurs aussi importants pour l'avenir de tout un peuple. Merci beaucoup. Vraiment, c'est à moi de vous dire merci. Pour en finir, je ne sais pas, il fallait pouvoir rester à Kinshasa, double date, le 10 et le 11 stade de martyr. Les terrains risquent d'être pour un artiste. C'est un gars qui aime bien le défi, c'est un gars qui aime le challenge. Au-delà de double stade de martyr, il a osé pour, le stade de France, excusez-moi. Ouais. Et donc, déjà qu'il a osé pour Paris Arena La Défense, ils ne sont pas nombreux ici en Afrique. Ils ne sont pas nombreux ici en Europe, ils ne sont pas nombreux ici en France. Et donc, s'il ose le double stade, je crois que le gars va relever ses grands défis parce que c'est un homme de challenge. Okay. Merci beaucoup. C'est à moi de vous dire merci. Si y a un souci, dans le canal, et puis... Plaisir, on aura le temps de le dire au monde entier. Merci à Balina Pichankim, les soldats de la presse. Vous partagez, vous likez, vous tirez un commentaire. S'il y a un souci, vous commettez la mission, numéro où ils ont affiché. Voilà. Donc on est là pour travailler, pour vous informer. Et puis c'est notre devoir de vous informer. Le seul et l'unique, le véritable écho d'Ya Willy Moucheni, Bambo Tebele Nayo, Diezola London City, agence assure des frais pour envoyer de l'argent au colis Maramboutou 30. 32 Harry Markade, donc au Tindi Biloko, le lobby est commis. Et puis, Chiquito Papa Paradis, chez Son Zembe, les voix, Maudilon Mampouya, Lionel Bossette, Bambote, Béonajoro, donc Douglas Abang, la Nigeria, Batunion, Sotopé, Sibango, Bambote, quoi, bye, c'est fini. Micro.